કદાચ તમે જોઈ રહ્યા છો એટલે આ જગ્યા જીવાતી નથી એટલે આ આવડાના પર ટેરાસમાં છે અને જે નવી જગ્યા છે તો હું ખાન મેટ્રો પોઈન્ટ મુસ્લિમ on est en train de mettre au point pour avoir plus de confort inchallah on a pas de gâché logo par exemple ça prend autour d'avoir ma raika ça ça prend beaucoup de sol pour des 6 secondes jamais ça sont sont des collègues le genre inchallah aspect de inchallah on va mettre les carreaux tout ça ici mais inchallah va dare avant ça inchallah donc ça ne logo pas se ça ne lève ni પોઝ પાંચ એક મિનિટ લોકો પોઝ હોય ને પાછા ભાઈ લોકો દર્શન દર્શન સલામ અલેકમ શેખ મુસ્લિમ માશાલ્લાહ તમને અરબેન ને તવરને લાસચ કા ફકઈત તે તો તે ફા ની ફિન રસન જાઉ ને ને રોને નો તે મેનેજમો તે ઓને લે મદરસા ચકા તે લે મદરસા ચકા તે વોવો હા ચાર પર પર ને તર સદી બિવાતા લિબ્ર ચાર જનજે હા Et on est les madrasats comme les sont en haut, c'est si ça m'y avance. Ah, mais je fais voir en afin. Là, par rapport à un talois, un piano, un miez, un manos et vite. Et nous faisons un anneau comme un. Mais jamais, mais je fais voir en afin. C'est évolution. Firton, c'est un haut et un miez aux atskati. Deux. Faire ton deux ans ils ont été un machallah so bas après interview qu'elle machallah project c'est les 20 ans tu es satisfait pas de kit mate kare che cuisine pole cuisine occupe kare che te assela pro madagascar na che inismana ane ya be vers mate te gagne pas te che ane ya vers jare arbene tu jare apre interview li data apre tem sati apre marche kare la ta najaf karbala માશાલ્લાહ તે ઘણો મને મદદ કરેલા હતા જેથી કરીને જે રિપોર્ટાજ હતો એ સરખો પસાર થાય તો ફરી વાર અમને નસીબ થયો છે કે જેને એને અમુક સવાલ કરીએ બસ એમ છોટે બેચે કે શેખ ઇન્શાલ્લાહ ફકાઈ દે છે ખુદા હાફિઝ મસમોક અલી મુનાઈન અઝરબૈજાન ઓકે આપો અહીંયા એલેફ છે શેખ અલી છે નું નામ અઝરબૈજાન છે બતાવેલા છે કમ ઉમરો 14 14 વર્ષ છે ને Alors, c'est quand une question posée comme ça. Qu'est-ce que peut-être il y a chez Irak? Comme ça, on a ça dans le pays Irak. Arba, char, voilà, c'est peut-être il y a chez peut-être. Tu es nous, qu'est-ce qu'on a opéré, un madrissa, ma, peut-être, il y a un liam. Man, quand là, quand tu as fait le house, tu as fait le house, il y a un mot de l'académie. On peut dire que si on a un house, on a un pas dans l'école normale, tu es rentré, il a dit, j'ai réfléchi, il faut que tu as un hasard de la natige. كنت جيد حتى كنت أحسن من هذاك الوقت يعني كنت أخلاقي قليلاً وأي كل شيء قليلاً ودخلت إلى حوزة صار جيد وأخلاقي جيد. Donc il dit, jamais je suis rentré dans le Hausa parce que je sais que le Hausa c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que quand je n'étais pas dans le Hausa, c'était très turbulent, mais depuis que je suis rentré dans le Hausa, je suis devenu sage. Azerbaijan barama ke la shia che ban kem chalat ani azerbaijan dawlat azerbaijan kam adad al shia hunak yani nara kulluhum shia faqat laysa mutadayyinin yani lam yusallun lam yusallun lam yusallun 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 faqat qalilun donc il dit que azerbaijan majorité c'est des chiites kan bon il y a des chiites et des chiites yani il y a des pratiquants il y a des non pratiquants donc voilà quoi البروجي شو تبسينه بيتا بعد الحوزه ماذا تفعل بعد عندما تكمل الدروس الحوزويه ماذا تفعل اذهب الى اذربيجان وبلغ يجي ان شاء الله يرجعون اذربيجان ويبقى ان شاء الله كتب تبليغ لبعض لماذا انت دخلت في الحوزه هنا مو في غير مكان يعني كان سيد ابي هنا يعني اذا ذهبت غير مكان ليس يكون كمثل هكذا يعني صديق ابي ويكون جيد واساتذتنا جيد يكون جيد حتى في اللغه يشرحون جيد ليس كمثلها يعني في الخارج ولم يصبر جيد هؤلاء اساتذتنا جيد وصابرون Donc il a dit, je lui ai demandé pourquoi tu as décidé de rentrer dans ce Hausa et pas un autre Hausa ailleurs. Donc il a dit,
Pour le moment, les profs qui sont ici, les gens qui sont ici, c'est des gens que mon père connaît très bien. Il y en a, c'est des amis de mon père. Et deuxièmement, c'est mon père qui m'a dit de rentrer ici. Deuxièmement, les profs ici sont bien, ils expliquent bien et ils sont patients avec les élèves. Et surtout au niveau langue et au niveau enseignement, ils sont patients avec les élèves. Peut-être que ce n'est pas forcément le cas ailleurs, il a dit. كنت أولا أتيت إلى هنا كنت أدرس أكاديمية وقبل أكاديمية دخلت إلى أتبة القرآنية كنت في الحرم أدرس القرآن وهكذا علمت اللغة. Donc il a dit moi j'ai appris la langue parce que quand, la première année quand je suis venu à Najaf, je suis rentré dans une école normale et donc après là, il s'est inscrit aussi dans un programme culturel qui est dans le haram, un programme coranique, donc après, avec tout ça, il a appris la langue. Est-ce que nous avons dit que l'imam Ali ibn Abadjou Mariwat, est-ce que c'est un changement de vie? Est-ce que tu as dit le ma'anawiyya quand tu as vécu avec l'imam Ali ibn Abadjou Mariwat? Ma'anawiyya, ma'anawiyya. Maza ta chouan? Il a dit, je sens cette spiritualité et cette sorte de, comment la, un goût spécial de spiritualité en fait. Parce que c'est le cheval qui dit que c'est un vrai snatcher, c'est un jeu vidéo, surtout quand c'est un occident, un jeu vidéo, un WhatsApp, un phone, c'est un jeu vidéo pour t'appuyer. Oui, pour le Shabab, on a dit que c'est un homme, un homme qui a 14 ans, 15 ans, il a besoin de l'occasion de jouer à la computerie, WhatsApp, Telegram, la téléphone. فماذا تنصحهم يعني نصيحتك لهم لأصدقائك؟ لا يلعبون فقط قليل يقرأون كثير ويلعبون قليل. Il a dit, seule chose que je peux leur dire, c'est qu'ils jouent peu et ils lisent beaucoup. Masha'Allah. Donc, شكرا. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, عندما يجعل في إنترنت Inch'Allah أعطيك الموقع وإنش'Allah أنت ترى نفسك Inch'Allah. حضور الطلاب بعد نروح لكم بريم يا الله حياك الله زين انا انا جيت ناخذ بعض اه شنو شنو انا وتاخذ شنو دونك ابغى ثاني كلاس دو منطق ماتيه كلاس دو منطق يعني لوجيك داريستوت كما ما انا كداس من اوزاما اون انسان لا راسيوناليتي En tant que la rationalité, il y a la vraie rationalité qu'on appelle logique d'Aristote. Donc, grâce à ce qu'on a dans le dernier cercle, qui dit avec une troisième année matière. La troisième année matière, c'est un mouvement de star, Bévalas qui est le collègue, parce qu'on a un programme, c'est que Bévalas, parce qu'ils ont le choix, et ils rentrent, ils font public, et ils restent, ils continuent. Donc, le grand grand, il y a un grand 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 وكم ما يجي يا ابو صباحا يا اخي والله اي بعد شي كمال غير الجماعه فوق تحضر تشير يا ابو ما ادريش ان شاء الله ليش عندي يعني كنت زي ما انا ورت انا برات ان الكومورت عملت ان يلوستان سي ابي باي يلوستان ابي باي كومورت سي انا برا استاذ سي السلام عليكم شيخ وعليكم السلام صباح الخير الله صباح أبرا الشيخ ويسام شنو نام الشيخ ويسام الناصري بدي مرا دوستار ما تيسي بدي أنا خاص كني أنا ما أدري كيريت بدي أبغي أنا برمانة برمانة بدي أتانا الحمد لله تقريبا إك مهينة تيسي بدي نيا أبرا سجان تي برمانة بيريا تيسي دونك كم نكين بتشوي لا بلي هو إنه بس ما مارو سبحان الله كي بدي جيلي فافيت تشتريت بدي خاص كني أنا إنديا في افريقيا بس كي هناك ديفيكولتي افيت مره ما كان كي ولا كي بدا اللي في هو لم يسال يعني جماعه طبعا مو يعني من المنطقه فما يعرفون اللغه شيء يعني يسال يعني كيف تقدر تدرسهم يعني ما عندكم صعوبه لتدريس معهم يعني كيف يعني تشرح لهم الدرس باللغه العربيه؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين طبعا نرحب بكم بدايه في النجف الأشرف وهي مدينة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شوية لا بيفينيو أنا جف الأشرف كي لا فيل مدينة الإسلام. مدينة العلم والعلماء لا يخفى على الجميع. لا فيل دو سافوار سيتي دو سافوار. طبعا ندرس
الأخوة الأحبة الأعزاء في هذه المدرسة مدرسة الخواجة هو مادة المنطقة المقررة لنا من قبل الإدارة. donc lui il est en train de enseigner dans ce hawza qui est hawza يعني مدرسة الخواجة. il enseigne le mantik ça veut dire la logique rationnelle. والمنطق كما تعلمون أنه من العلوم الآلية التي يستخدمها الطالب كأداة في فهم العلوم الأخرى. Et donc la logique ici, là où ils sont en train de d'enseigner, c'est la logique en tant que outil. C'est pas en tant que comment dars de base, mais c'est en tant qu'outil pour comprendre les autres dars après. لهذا أهمية المنطق أهمية دراسة علم المنطق يكمن في قوة استيعاب الطالب للمدارك المسائل العلمية ويتوسع ذهن الطالب ومفاهيمه لمعرفة العلوم الفلسفية والأصولية كذلك. Et donc le ilmul mantiq ça aide à l'élève de bien assimiler les autres dars comme par exemple dars al-usul ou bien philosophie tout ça parce que on lui prépare la façon de réfléchir tout ça pour qu'il se fait pas berner et qu'il n'accepte pas bêtement et donc c'est très important comme dars en fait. أما بالنسبة لسؤالكم التي تفضلتم به قبل قليل أنه كيف نعالج مشكلة التكلم باللغة العربية نحن كأساتذة والطلبة ليس لغتهم الرسمية العربية فإنه الإدارة قدمت كما لعله وضح لكم سماحة الشيخ المدير أنه قدموا لهم منهاجا فيما يخص اللغة العربية والآن هم الحمد لله لغتهم جيدة يفهمون الكثير من الكلام. Et donc, pour répondre à la question qui a été posée, il a dit, c'est pas les gens qui parlent l'arabe à l'origine, donc ils ont beaucoup de difficultés, c'est vrai. Mais quand ils sont venus ici, ils ont passé les programmes de la langue ici dans le Hawza, parce que le Hawza, il a dit, il a préparé un programme spécial pour les élèves non arabes, pour qu'ils puissent apprendre l'arabe. Et donc, alhamdoulilah, ils ont appris. Le nécessaire pour qu'on puisse comprendre le dars qui est enseigné ici en ce moment. لعله تواجهنا مشكلة صغيرة في بعض الكلمات التي نستخدمها في اللغة الشعبية الدارجة عندنا في العراق. هذه عادة أنا لا أستخدمها مع الطلبة حتى لا يستوحشوا منها. دائما أتكلم باللغة الفصيحة العربية الفصيحة حتى يتكلموا بها لأنهم لم يتعلموا اللغة الدارجة عندنا. Et donc, une autre solution, c'est que nous utilisons nous-mêmes en tant que prof, parce que nous savons que ces élèves-là, ce n'est pas des gens qui savaient l'arabe à l'origine. Et surtout, on a deux sortes d'arabe. Il y a l'arabe littéraire et l'arabe ergo, on appelle ça, dialecte. Et donc, il a dit, nous, si nous utilisons l'arabe dialecte, ils ne comprennent rien. En fait. Donc, nous, en général, nous n'utilisons que l'arabe littéraire pour qu'ils puissent comprendre ce que nous disons, en fait. ولكن أنا وصيتي إلى الإدارة سماحة الشيخ وكذلك كل الطلبة الأعزاء من ليس هم يعني من يتكلمون اللغة العربية أن يحاولوا أن يحتكوا بأصحاب اللغة العربية خصوصا الطلبة العرب يحضروا مثلا دروس التي يدرسها أساتذة عرب ويحتكوا مع الطلبة العرب حتى تتقوى عندهم اللغة العربية يفهموا المصطلحات اللغة العربية ويمارسوا مثلا كثرة قراءة القرآن كثرة الأدعية التي تكتب باللغة العربية حتى تتقوى عندهم اللغة العربية. Et donc il donne aussi conseil aux élèves pour fortifier la langue arabe. Il doit se mélanger avec les arabes. Il doit assister aux dars qui sont en langue arabe. Il doit lire le Coran, les droits, tout ça, pour qu'il puisse avoir une fortification en langue arabe. Ça c'est un conseil qu'il a donné. Donc Abad. Σε παρέσει και με μόρα μαγειρίο, έτσι. Και βάκει καρπολά μπάρα, βάκει μαμψέν, βάκει μαγειρίο μπορούμε. Μπάδω Ιακούλ, μπάδω Ιάμ, Ινσάλλα, σαν νατσχολ, φι Ιάμ, ελχόζουν, γιανε μπάδω με δέκρα στεσά, τη μαμά, αδιά του Λέβ, Χουσέν, αλλά Ισλά. Αλλά δέκουμ καλάμ, χάς, γιανε μοχτασαρ, φι γιανε γιομκίν αλμομινίν, γιαστεφιδούν, αν χάδει الكαρδία, αν χάδει الواقعα. أو فضيلة الإمام حسين عليه السلام أي شيء إن شاء الله لكي المؤمنون هناك في أي مكان يسمعوننا إن شاء الله يستفيدون من كلامكم المبارك إن شاء الله. والله وصيتي أولا لنفسي وكذلك لكل العالم وكل من يصل إليه صوتي عليكم بزيارة العراق، عليكم بزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
فإن كثير من الطلبة الذين تشرفوا في الأعوام السابقة إلى زيارة العراق وإلى زيارة الأربعين بالذات زيارة الحسين في يوم الأربعين قد شاهدوا معاجز وكرامات كثيرة حدثت لهم في الواقع، لم تكن أشياء مجرد نظريات ومفاهيم يسمعوا بها، وإنما لمسوها لمسا واقعيا في الخارج المعاش. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille à vous tous de venir faire le ziarat ici en Irak, ce qu'il a voulu dire par là, à venir faire le ziarat de nos imams, et surtout Imam Hussein al-Islam. Pourquoi? Parce que beaucoup des gens qui sont venus ici, ils ont fait le ziarat d'Imam Hussein al-Islam, ils ont vu réellement les bienfaits du ziarat. Il y en a une sorte de miracle dans leur vie, où ils ont eu beaucoup de changements dans leur vie, ils ont vu beaucoup de miracles, ils ont vu des choses incroyables dans leur vie grâce à ce ziarat d'Imam Hussein al-Islam. Nous كل العالم خصوصا كل العالم الإسلامي، لأن الحسين عليه السلام لم يكن حصرا وحكرا للشيعة فقط، بل الحسين لكل العالم. الحسين صوت الإنسانية بأجمعها، كما كان علي بن أبي طالب هو صوت الإنسانية، حتى المسيح استفاد من أمير المؤمنين وكذلك الحسين عليه السلام. نقول لهم لا تصدقوا بالدعاء أو بالدعاوى أو بالدعايات المغرضة التي تحاول أن تزوي الناس وتبعدهم عن زيارة الحسين. العراق بلد الحمد لله بالشكر مناطق الشيعية مناطق آمنة ليس فيها مشاكل، بل إذا قارنا من الناحية الأمنية أن العراق أكثر استقرارا حتى من بيت الله الكعبة. في السنة القادمة حدثت مشاكل وذهب ضحيتها الكثير من الحجاج، أما في العراق أكثر من 20 مليون زائر يزورون الحسين عليه السلام، لم يتعرضوا إلى أي مشكلة. Et donc lui il dit que comme Imam Ali al-Islam, Imam Hussein al-Islam, c'est pas seulement symbole du chiisme, c'est symbole de l'humanité. Et tout le monde croit à eux. Et il y a beaucoup de gens, ils ont utilisé des noms chiites, ils ont utilisé du Imam Ali al-Islam et du Imam Hussein al-Islam beaucoup de choses, ils ont pris beaucoup de choses de ces personnalités-là. Et donc il dit, je vous conseille de ne pas écouter tout ce qui se dit derrière qui empêche les gens de venir faire ziarat du Imam Hussein al-Islam. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils essaient d'empêcher les gens de faire le ziarat du Imam Hussein al-Islam. Donc ils disent de ne pas écouter tous ces gens-là. Une des choses, par exemple, il dit, à ne pas écouter, c'est au niveau sécurité en Irak, il a dit, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, en Irak, surtout dans les régions où il y a les chiites, la majorité qui sont des chiites, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Au contraire, il dit, en Irak, il y a beaucoup plus de stabilité qu'ailleurs, il y a beaucoup plus de sécurité. Pourquoi? Parce que l'année dernière, à la Mecque, durant le pèlerinage, il y a eu des milliers, des centaines de personnes, des milliers, c'est plus exactement le nombre, ils ont été tués durant le pèlerinage du Hajj. Alors qu'en Irak, il y a eu 20 millions de personnes durant le Harbaïn et on n'a pas connu ce genre d'accident. Donc la sécurité d'Irak est mieux que la sécurité de l'Arabie Saoudite, alors que l'Arabie Saoudite, il n'avait que 2,5 millions, ils ont connu tous ces morts-là. Il y a eu cette grue qui est tombée, il y a eu cette bousculade, tout ça. Alors qu'en Irak, avec 20 millions de personnes, on n'a pas eu tous ces problèmes-là, alhamdoulilah. Donc venez à volonté, Inch'Allah. إذا قصنا الزيارة، زيارة الحسين عليه السلام وكل مراحل أهل البيت، نجد أن هذا التهافت العجيب وهذا الكم الهائل من الأعداد التي تزور الحسين عليه السلام، أنت الآن في كل العالم لا تجد شخصاً وهو تحت التراب في القبر يستطيع أن يجمع هذا العدد. الأحياء لا يستطيعون أن يجمعوا هذا العدد، فكيف بميت كما يتصورونهم يستطيع أن يجمع هذا العدد 20 مليون أو أكثر؟ الحج في العالم، كل العالم تستنفر طاقاته من أجل ماذا؟ أن يسخر إمكانيات جيدة تقدم للحجاج، ومع ذلك لا يتجاوز عدد الحجاج 4 ملايين أو 3 ملايين على أقل التقادير، أكثر التقادير. أما في العراق بإمكانيات ذاتية لا توفرها الدولة، الحكومة لا توفر شيء، حتى الأمن لا توفره الحكومة، الخدمات والمواد الغذائية والطعام الذي يقدم للزائرين أيام، ليس يوما واحدا، شهرا كاملا الناس تسير من الجنوب إلى العراق إلى كربلاء ومن كل بلدان العالم، المطارات غيرها، الدراجات لا تستوعب عدد الزائرين. أليس هذا دليل على أن الحسين عليه السلام هو إعجاز؟ أليس هذا يدل على أن الحسين بحد ذاته هو كرامة وإعجاز؟ Donc il a dit, notre mérite du Imam Hussein al-Islam, c'est que nous voyons dans l'histoire, ou bien en ce moment-là où nous sommes en train de vivre, nous voyons qu'un être, quelqu'un qui est vivant parmi les grands, par exemple parmi les symboles qu'on a ici en ce moment,
personne n'arrive à faire réunir des centaines de milliers de personnes. Comment ils peuvent faire réunir, par exemple, 20 millions de personnes pour venir leur rendre visite à notre époque, un vivant? Alors comment ça se fait qu'un mort, qui est mort depuis plus de 1000 ans, il arrive à faire réunir 20 millions de personnes en quelques jours d'espace, si on compte leur baïd, si on compte en dehors de leur baïd, c'est plus de 20 millions. Et donc ça, c'est un miracle parce que aucune personne sous cette terre, vivant ou mort, il n'arrive à faire réunir autant de monde pour une raison définie qui est la visite de Imam Hussein à l'islam. Donc ça, c'est un miracle. Alors que nous voyons en Irak, bon, l'État n'est pas si stable que ça. Il n'y a pas cette infrastructure qui est faite pour accueillir tous ces gens-là. Au niveau sécurité aussi, il a dit, bon, l'État n'assure pas vraiment, c'est Dieu qui assure la sécurité. Et malgré tout ça, les gens ils viennent, alors qu'en Arabie Saoudite, avec tout l'argent qu'ils ont, avec toute la structure qu'ils ont, il y en a un maximum de personnes qui viennent faire le Hajj, c'est combien, 4 millions, alors que pour Imam Hussein al-Islam, pour juste le Al-Bayt, c'est 20 millions de personnes par exemple. Donc ça, si ce n'est pas un miracle, on ne peut pas expliquer autrement. وصيتي إلى كل العالم وصيتي إلى كل العالم الإسلامي وخصوصا شيعة أهل البيت في كل العالم وصيتي أن يفهموا معنى الحسين ويعرفوا شعائر الحسين ليس شعائر الحسين مختصرة بشعيرة واحدة هذه ملاحظة مهمة لا بد أن تصل إلى العالم لا يمثل الحسين شخصا واحدا ولا يمثل الحسين شريحة معينة وليس عالما واحدا الحسين منظومة متكاملة الحسين علاج لكل مشكلات العالم اليوم كل العالم يعيش مشاكل ويعيش اضطرابات ويعيش حالة من الاقتتال الحل الوحيد هو أننا نلجأ إلى الحسين وإلى شعائر الحسين وشعائر أهل البيت بصورة عامة ونفهمها فهما حقيقيا ولهذا جاء في نص الزيارة من زار الحسين عارفا بحقه المعرفة بالحسين حقيقة المعرفة هي التي تعلمنا شعائر الحسين وما هي شعائر الحسين. Et donc il a dit, je vous conseille à toutes les croyants et croyantes, Inch'Allah, de bien comprendre, ça veut dire quoi, cette symbole d'Imam Hussein al-Islam, et pour bien comprendre cette symbole d'Imam Hussein al-Islam, c'est pas seulement nous devons regarder d'un seul côté ou d'un seul angle, par exemple, nous nous concentrons seulement sur la frappe de poitrine ou bien pleurer sur lui, non, nous devons regarder sur tous les côtés, ça veut dire quoi, cette symbole, il y en a derrière cette symbole, ça veut dire quoi, parce que Imam Hussein al-Islam, c'est cette symbole, c'est cette pensée, c'est cette façon de vivre qui peut résoudre tous nos problèmes. Donc nous devons, premièrement retourner vers Imam Hussein al-Islam, deuxièmement, nous devons comprendre ce symbole-là en tant que symbole sur toutes ces angles, en fait, pas sur un seul angle. Parce que Imam Hussein al-Islam, c'est pas seulement un seul angle ou bien une seule personnalité ou une seule pensée, il y a toute une pensée derrière. Qui symbolise l'humanisme et la religion divine. Et donc, un croyant, il doit comprendre c'est quoi ce symbole, c'est quoi Imam Hussein al-Islam. C'est pour cela qu'on a un hadith qui dit c'est lui qui vient visiter Imam Hussein al-Islam tout en connaissant son haq, son symbole, qui connaît Imam Hussein al-Islam en tant qu'imam, ce qui cache derrière cet imamat, ce qui cache derrière cet symbole, cette charge. Chaque nous devons comprendre tout ça pour que nous puissions bénéficier de cette symbole et de cette personnalité. Sinon, nous n'aurons pas utilisé, nous n'aurons pas bénéficié de ce qui devait être bénéfique pour nous. أقول أركز على هذه القضية أنه حاول البعض من الوهابية والسلفية وخصوصا آل سعود أن يشوهوا شعائر الحسين بأن الشعائر الحسينية هي شرك بالله بأن الشعائر الحسينية هي عبادة من دون الله ونحن نقول لهم ليس ما تدعونه صحيحا بل أنتم تعالوا للعراق وانظروا إلى شيعة أهل البيت كيف يمارسوا الشعائر هل يمارسون هذه الطقوس والعادات والشعائر بشرك بالله أم أنهم يوحدون الله من خلال هذه الشعائر بل أن التوحيد الحقيقي الذي يريده الله ولا يأتي إلا من أهل البيت كما جاء في زيارة الجامعة للإمام الهادي عليه السلام من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم المتقدم لكم مار والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق لا بد أن نكون مع أهل البيت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
والنبي يقول مثل أهل البيت فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أقول للعالم الإسلامي بكلمة مختصرة وأخيرة، أقول لهم كونوا مع عترة النبي الأطهار، كونوا مع العدل الآخر للقرآن. النبي ماذا يقول؟ إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فإذا أراد العالم أن لا يضل فعليه بالقرآن والعترة الطاهرة. دونك il est en train de dire pour finir, pour conclure, en fait il a dit que en ce moment notre façon de penser, cet rituel d'Imam Hussein al-Islam est attaqué de partout en fait, et surtout de la part de ce qui représente en fait en ce moment cette école qui est l'extrémisme islamisme en ce moment, qui est les Ahl Saoud. Ces gens-là, ils nous accusent de faire de l'associationnisme avec Imam Hussein al-Islam, c'est-à-dire que nous faisons du shirk avec, en faisant cette rituel du Imam Hussein al-Islam, alors que nous, nous disons le contraire, que non, non seulement nous ne sommes pas des associationnismes avec cette symbole du Imam Hussein al-Islam, mais au contraire, nous ne faisons qu'obéir aux ordres de Dieu, parce que c'est par cette voie du Imam Hussein al-Islam que nous nous rapprochons de Dieu, subhanallah wa ta'ala. Donc, ils invitent toutes ces gens qui nous accusent de venir ici et de regarder de leurs propres yeux, est-ce que nous faisons ça, tous ces rituels-là, est-ce que nous le faisons pour Imam Hussein al-Islam ou bien nous faisons ça pour nous rapprocher de Dieu. Et donc, laisser ces gens-là venir, qu'ils voient de leurs propres yeux, pour qu'ils ne nous diffament plus, parce que nous faisons ça, tous ces symboles-là, en fait, nous les respectons, parce que c'est Dieu qui a dit de respecter tous ces symboles-là, et nous, nous rapprochons de Dieu par ce symbole-là, parce que c'est Dieu qui a dit que qu'on nous massa des gains, il y en a soyez avec les véridiques, et ces gens-là, ce sont les véridiques. À part ces gens-là, il n'y a pas le véridique. Donc, c'est Dieu qui a dit que soyez avec ces gens-là. Donc, nous sommes avec ces gens-là, et nous montrons notre amour envers ces gens-là, et comme c'est des gens qui sont spéciaux, et donc nous respectons et nous montrons que ce sont des symboles de Dieu sur cette terre. C'est pour ça que nous faisons tous ces rituels-là. Sinon, si c'était pour eux-mêmes, nous ne l'aurions pas fait. C'est par rapport à Dieu, pour respecter Dieu, pour obéir à Dieu, nous respectons ces gens-là. Et pareil, on a beaucoup de commandements, par exemple dans le ziyarat, comme il a dit, que si quelqu'un il veut se rapprocher de Dieu, il veut connaître Dieu, il doit commencer par vous. Pour atteindre Dieu, nous devons être avec l'Ahlul Bayt salamu alayhi wa ajma'in. Et donc, après la suite du ziyarat qui dit que c'est lui qui vous dépasse, en fait, il s'est noie, et quelqu'un qui vous laisse derrière aussi, il s'est noie. C'est quelqu'un qui est avec vous, qui est sauvé, qui s'approche de Dieu. Donc, nous devons être avec ces gens-là, pas les dépasser et pas rester derrière eux, pas les laisser ou bien les dépasser, mais être avec eux. Et donc, ça, c'est le conseil. Que je vous donne à tous les croyants et croyantes qui vont nous écouter, Inch'Allah. Et donc, c'est un symbole qui est très important chez nous, et c'est un symbole que nous respectons, en résumé, parce que c'est Dieu qui a dit de respecter ce symbole, sinon nous n'aurions pas fait tous ces rituels-là. Donc, voilà. أحسن تبشركم. الله يبارك فيكم. الحمد لله. الله. جماعة من فرنسا ومن دجاج، من دجاج كانوا تزيلارينيو في أي مكان يسمعون إن شاء الله يشكروكم. الله. إن شاء الله لا يبارك لكم إن شاء الله وما إن شاء الله يجيون ولا يستفيدون. إن شاء الله. الله. إن شاء الله وسدد خطاياكم إن شاء الله. 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 الله.